Salut mes Kinder, alors aujourd'hui on est, oula, on est mercredi 2 octobre et il est 6h20, donc ouais, si j'ai les yeux gonflés, un peu visage bouffi, c'est normal étant donné que ça fait à peu près 40 minutes que je suis debout, mais qu'en fait j'essayais de me rendormir, sauf que mon chat câlin n'a pas voulu, donc là il me faut le temps vraiment de me réveiller. Pour ma tenue, je vous montrerai ça tout à l'heure. Je préfère attendre d'avoir mis mes chaussures, ce sera quand même mieux. Je la posterai aussi sur Instagram en direct, comme je fais en ce moment beaucoup. Alors, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait un petit moment que j'ai pas pris la caméra, ça doit faire presque 2 semaines je crois. Du coup, dans mon planning de publication des vidéos, j'ai vachement espacé les 2 ou 3 derniers vlogs, justement parce que je sentais qu'en ce moment j'avais moins envie de prendre la caméra, moins d'idées peut-être aussi, je sais pas. Je pense que c'est aussi beaucoup de fatigue et à mon avis, là, vous le ressentez. Si je devais résumer, alors oui, ma coupe de cheveux a changé, je suis pas allée chez le coiffeur, c'est moi qui les ai coupés, je pense que ça se voit aussi. Si je devais résumer, alors de tête, dans les vrais gros événements, j'ai reçu ma convocation pour l'hospitalisation, donc par rapport à ma maladie, j'en ai pas trop parlé. Maintenant, je peux en parler un peu plus. Donc, j'ai une maladie de la thyroïde, je vous dirai pas exactement quoi, mais en gros, j'en suis arrivée à un point où c'est soit une opération que mon endocrinologue veut m'éviter pour le moment à cause de raisons de santé que j'ai déjà. Donc, la deuxième solution, c'est la prise d'une gélule d'iode avec un certain pourcentage de radioactivité dedans. Ensuite, comme autre gros événement, la semaine dernière, mercredi... Ah, vous voyez mon chat juste ici. Le gros événement, c'était mercredi dernier. En fait, on croyait qu'on avait cours l'après-midi de 16 à 17, cours de parti politique, qui en fait ne commence que la semaine prochaine. Et à la place, c'est le BDE qui est venu et on a fait un rallye, un jeu de rallye dans les rues de Nancy par équipe. Alors, c'était super intéressant, c'était marrant. Même s'il n'y avait que la moitié de la promo, en fait, il y a toute l'autre moitié qui s'était barrée. J'ai trouvé ça un peu dommage, mais bon, tant pis pour eux, hein. Le rallye, il y avait 6 équipes et franchement, on s'est bien amusé, même si c'était hyper crevant. Et ça a duré jusqu'à 6h30, on a couru dans tous les sens. C'était, voilà, pour au final, même pas gagné, on a fini 3ème sur 6. J'ai trouvé ça un peu dégueulasse que l'équipe qui a gagné, en fait, c'était un peu de la triche parce que je l'ai vu. Au moment du comptage des voix, il y a l'une des membres du BDE, je sais pas ce qu'elle l'a trafiqué, mais en fait elle est venue et elle leur a rajouté des points. Ils sont passés de 86 points, ou 82 points, à 95. Qu'on m'explique la raison d'avoir augmenté d'autant de points, franchement. Mais bon, on va dire que le prix c'était juste, enfin entre guillemets juste, les tote bags qu'ils vendent. Ça va, j'aurais vraiment vraiment pété les plombs si ça avait été de gagner un sweat ou un pull du CEU. Là, ça m'aurait beaucoup plus emmerdé. Puis, pour le reste de la semaine, je retiens surtout que le week-end dernier, donc samedi et dimanche, j'ai travaillé les 2 jours à Metz. C'était des journées énormes car les horaires de travail, c'était 9h45-19h30, ce qui fait pratiquement 10h. Or, je suis payée que pour 8h, je trouve ça un peu dégueulasse. Mais bon, voilà, c'est déjà ça. Je suis quand même hyper contente d'avoir cet argent, même si j'aurais pas tenu. En fait, je me levais à 6h, je prenais le train à 7h50. Je repartais avec le train de 20h32 pour arriver chez moi vers 21h30, être couchée entre 22h et 23h. Et faire ça sur 2 jours, franchement, le 2ème jour, dimanche, j'ai été à 2 doigts de faire un malaise à un moment dans la journée. C'était extrêmement pénible à supporter, long. Et en fait, ce type de mission, je sais maintenant ce que c'est et je pourrai faire attention la prochaine fois à mon choix. Je devais retravailler ce week-end, donc 5 et 6 octobre. Donc c'est pour la foire de Nancy, de Metz, pardon, la foire de Metz. Mais j'ai demandé à annuler et ça a été accepté parce que j'ai dit je peux pas. Clairement, je peux pas. Là, je suis crevée, j'essaie d'enchaîner le maximum de cours. Lundi après-midi, j'ai pas assisté au cours parce que c'était le lendemain donc, de ce fameux week-end. Et en plus, j'avais un rendez-vous médical le matin à 9h45. J'étais à 9h, enfin bref, j'étais épuisée. Donc l'après-midi, j'y suis pas allée, mais je l'ai rattrapée, j'ai fait ma fiche, donc je suis à jour, y a aucun souci. J'ai aussi fait mes fiches des 2 cours que j'ai eu hier, je suis à jour. Là, ce matin, à 8h, j'ai mon premier partiel, donc en anglais, c'est la première compréhension orale, avec le petit résumé à faire. J'enchaîne avec compréhension écrite. Cet après-midi, je devais avoir de 14 à 16 ou 14-17 un cours de géographie de l'Europe. Ça, je sens que ça va être super encore.
Mais heureusement pour moi, il a été annulé. Je suis contente parce que ça fait 48 heures que j'ai pas vu la personne et je la revois normalement à partir de ce midi. Au moins cet après-midi, je vais pouvoir profiter étant donné que demain, j'ai cours le matin mais j'ai aussi cours l'après-midi car on doit rattraper un cours qu'on n'a pas eu la semaine dernière. Je préfère quand même que ça ait lieu demain, je vous avoue, plutôt que vendredi. Comme ça, vendredi, j'ai cours le matin et à midi, c'est fini. Le seul truc qui fait chier, c'est que normalement, demain midi, de 12 à 14, le BDE en parcours communication avait prévu qu'on se fasse en fait un repas tous ensemble au foyer spécial parrainage. Sauf qu'avec le cours à rattraper, vu qu'il dure 3 heures, en fait, ils l'ont mis de 13h à 16h. Résultat, on n'aura qu'une heure, même pas, pour faire ce repas parrainage. Et je trouve que c'est un peu dommage, mais bon, peut-être qu'en une heure, ça suffira quand même. Ensuite, quoi d'autre? J'essaie de réfléchir. Je suis contente parce que la semaine prochaine, alors c'est vendredi, donc c'est en fin de semaine, hein, donc ça fait pratiquement dans une semaine et demie. Je vais revoir mon frère, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et je le reverrai que le soir, genre pendant une heure. Mais c'est déjà ça, je suis contente. Sinon, par rapport à mon master, je vous avoue que là, ça fait une semaine que j'en ai marre en fait. Ça fait une semaine que j'en peux plus parce que les cours passent et en fait, à chaque fois qu'on a des nouveaux cours, c'est de la merde. Je déteste. Je me rends compte que finalement, j'ai pas fait le bon choix. En tout cas, je pense que j'ai pas fait le bon choix. Honnêtement, pendant les journées portes ouvertes, ils avaient vraiment donné une impression comme quoi c'était super génial, que c'était intéressant. J'avais même parlé à 3-4 élèves qui finissaient leur M1 et qui étaient en parcours com, mais en fait, elles ont pas dit la vérité. Elles ont pas dit la vérité du tout, c'est-à-dire que même en ayant lu la maquette, j'avais pas réalisé ce que ce serait réellement. Imaginez que je trouve ça pire que quand j'ai fait 2 mois à l'IPAG. Les deux mois de cours en L3 administration publique, ben, certains de ces cours-là, je les avais trouvés intéressants quand même. Alors que là, à part l'anglais, parce que ben, j'aime l'anglais, mais sinon, à part l'anglais, ben non, quoi. Ça correspond pas du tout à ce que je recherche et à ce que je veux. Je râle et je me tape dessus de pas avoir pensé au master infocom auparavant. Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé. J'essaie de me motiver et mon frère m'a dit la même chose hier, en me disant que oui, il faut que j'aille au bout de cette année, il faut que je fasse tout pour valider cette année, parce que je validerai comme ça un bac plus 4, que je pourrai toujours voir l'année prochaine pour faire un autre M2 en fait. La majorité, enfin ouais, 90% des cours, je m'en fous, mais je m'en fous, mais complètement. C'est-à-dire que déjà là, bah, tout ce premier semestre, je m'en fous, de A à Z. On a là actuellement, parce qu'en fait ça change au fur et à mesure, là actuellement, on a 4 cours de droit, on vient d'en finir un. La semaine prochaine, je commence de nouveaux cours. Donc 4 cours de droit, 3 ou 4 cours de gestion financière, en général sur le marché européen, hein, toujours pareil, plus 2 cours liés à la politique, donc parti politique européen et géopolitique de l'Europe, un cours d'opinion publique de l'Europe qui est juste trop bizarre. Donc, géographie de l'Europe, honnêtement, c'est déjà énorme. On a cours tous les jours, du lundi au vendredi. Soit en journée entière, soit en demi-journée, mais on a quand même cours tous les jours. Hein. Donc, pour moi, c'est un rythme qui est quand même hyper fatigant, surtout que malheureusement, je commence souvent à 8h ou 9h. Hein, donc, c'est quand même assez dur. Je fais ce que je peux pour y aller parce que bah, déjà, ça m'occupe utilement. Ça fait une partie du boulot, même si j'ai tendance à péter des plombs au bout d'une heure et demie, des fois, une heure et demie, 2h, et je pète des plombs. Notamment en droit matériel de l'Union Européenne. On commence bientôt les TD, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on commence les TD de droit matériel, alors je verrai ce que ça donne. Puis pour le prochain semestre, en fait c'est à peine mieux, c'est-à-dire qu'au prochain semestre, de tête, j'aurai 4 ou 5 cours de civilisation, voilà. Puis je crois qu'il y aura vaguement 2-3 cours où en fait c'est des TD, où ouais, on fera des dossiers en com, je sais pas quoi, mais... Mais franchement, voilà quoi, je pense que vous pouvez le sentir. En fait, la vraie com, c'est uniquement au 9e semestre, donc le premier semestre de la 2e année de master, en sachant qu'il n'y a pas de 10e semestre en M2, puisqu'il s'est consacré au stage. Le stage dure minimum 3 mois, maximum 6 mois, et dans tous les cas, je crois que c'est obligatoire de passer la soutenance uniquement en septembre. J'ai pas compris si on pouvait, si par exemple le stage dure que 4 mois, est-ce qu'au bout des 4 mois on peut déjà passer la soutenance ou si on est obligé d'attendre le mois de septembre? Parce que ça fait un peu chier quand même, hein, d'attendre en septembre, mais bon, enfin juste pour ça, mais bon. Après si le stage dure 6 mois, voilà.
Mais je sais pas, je sais pas. J'ai commencé à me renseigner pour le M2 Infocom à Metz, parce que le Master Infocom à Nancy, je le sens pas du tout. Au niveau du contact que j'ai eu avec le secrétariat, ça passe pas. Et même mon frère m'a dit qu'il connaissait le directeur de labo Infocom qui est basé à Metz, même si c'est le même labo dans les deux villes, qu'il a dit que Metz est mieux coté pour le Master Infocom. Donc, j'ai envoyé un mail en fait hier au responsable des M2 pour savoir si avec mon parcours et ce M1, il y a moyen que je candidate et que j'ai des chances de passer au M2 Infocom à Metz. On verra. Oui, je repense forcément au BTS SAM parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de le finir et de le finir là où j'ai commencé puisque c'est vraiment là-bas que j'aime ça. En plus, avec l'une des entreprises qui m'avait contactée pour cette rentrée-ci, j'ai toujours la porte ouverte. Elle m'a laissé la porte ouverte, celle qui m'avait contactée, donc ça c'est génial. Et voilà, je me pose plein de questions, je me dis mais cet été est-ce que j'ai pas fait le mauvais choix en fait? Alors toujours pareil, oui, si j'étais pas restée à Nancy, j'aurais pas revu certaines personnes, j'aurais pas rencontré la personne, j'aurais pas l'appart que j'ai actuellement et que j'aime beaucoup. Dans un coin de la ville qui me plaît aussi. Je me demande si ça vous intéresserait une vidéo où je vous parle de mes mauvaises expériences dans les relations amoureuses et de où j'en suis aujourd'hui, pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens aujourd'hui et qui me complique pas mal la vie. Dites-le-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse. Alors pour ma tenue du jour, j'ai un pantalon noir, c'est comme un jean mais en fait c'est un legging, une chemise blanche, je sais pas si ça vous le voyez bien. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, bye.